Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes très contents, j'imagine que je peux parler au nom de tous et toutes, de vous inviter à une promenade franco-slovène. Pour ceux qui ne savent pas, une partie du marché de la poésie jeunesse, c'est aussi l'antenne slovène. Ce sont les collaboratrices slovènes qui ont... visiter la ville de Tinque depuis des années. Cette année, c'est un peu différent, mais nous sommes très, très contentes. Nina Medved, Ksenia Mraulia et Masha Jazbec, de vous présenter le recueil, l'anthologie de la poésie française contemporaine avec des traductions choisies. Donc, Kaléidoscope, l'anthologie que vous pouvez voir ici, est un livre qui, en fait, a été né à Tinque, au marché de la poésie jeunesse, parce que la tradition et la collaboration franco-slovène veut dire pas seulement une chose, mais plusieurs choses. C'est un endroit de rencontre, de partage, où les invités slovènes viennent à Tinque, collaborent, parlent aux poètes français invités, et c'est un endroit où la traduction prend une autre piste, une autre approche. Les traducteurs et les poètes peuvent enfin travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques poèmes de cette anthologie. Mais bien sûr, il faut dire que grâce à Mateja Bizek-Petit, marché de la poésie jeunesse de Tinque et le centre culturel, le centre de création pour l'enfance, grâce à tous ces membres, voilà, nous pouvons aujourd'hui vous présenter certains poèmes. Et il faut dire que le livre n'aurait pas pu être présenté sans notre quatrième traductrice, Jiva Cheboul, et bien sûr avec un grand, grand soutien de Zdenka Stimac et Claire Terral, qui est présente aussi aujourd'hui, voilà, pendant cette promenade franco-slovène. Et bien sûr, mes chers amis, si vous êtes prêtes, on va vous présenter les poèmes en slovène et en français. Voilà, c'est moi qui va commencer avec le poème de Fabienne Sviatli, aujourd'hui, que nous avons traduit en slovène, Danes. Danes sem zvezek napisala dobr dan. Ni bilo odgovora. Danes sem zapisala besedo dež. In ni prepojila strani. Danes sem zradirala oblake, ne, da bi se pojavilo sonce. Danes sem spregledala glagol skriti in ti si odkril napake. Danes sem osvobodila cel kup besed, ne, da bi pridobila svobodo govora. Danes sem postavila tri pikice v red, da bi žalost odslovila. Danes sem prepognila začetek povedi, da bi se izognila končnemu ločilu. Danes sem odprla oklepaj in ti nisi ničesar unesel van. Danes sem preskočila številne vrstice, ne da bi padla strani. Danes sem izbrisala besedo strah iz povedi, ki ni hotela napredovati.
Danes sem besedi bati dodala črko r, brati, in jo postavila na varno. Danes sem na mizo položila svoje sanje in ti si jih umestil koledar. Danes sem zapisala besedo noč, čeprav je prekratka, da bi vsebovala lunin žar. Danes sem prečrtala vse pretekle glagole, da bi se vezala v sedanjosti. Danes sem ujemala celo svojo bit z več kot enkratnim obsebkom. Danes sem zapisala valcejo, da bi z mano zaplaval vanje. Merci, Xenia. C'était très beau de t'entendre comme ça. Ça fait déjà une année qu'on a travaillé sur ce livre, non? Ouais, ouais. Ça fait une année à lui. D'accord. Alors, je continue avec quelques poèmes de Frédéric Fortou. On se voit bientôt, Xenia. Ciao. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses, la poésie de Fabienne Sviatli, mais aussi une nouvelle forme poétique qui s'appelle un poème isolé. Et c'est quelque chose que Frédéric Forté, le poète français, a monté. Et d'abord, on va lire quelques petits poèmes en slovène. Vous allez voir les originaux sur l'écran. Après, c'est à vous, en fait, de faire vos poèmes isolés juste après notre petit programme. OK? C'est tout simple. Poème isolé. Izolirane pesme. U knjigi se skriva knjiga. Izolirana pesem. Slišiš to reč, ki prihaja iz mojega glasu? Izolirana pesem. Danes med odmorom za pesem. Izolirana kava. Ponedeljek, desetim nedeljam, izolirano pesem. Sirene, gasilci. Izoliran liju. V obliki, v varnem zavetju oblik, izolirana pesem. Torej, kaj bomo rekli? Kaj bomo rekli, gospe? Izolirana pesem. Pazi, da je ne prebereš na enkrat. Izolirane pesmi. Rad bi kompliciral, ampak je preveč komplicirano. Izolirana pesem. Pa je. Znam jo. Na pamet jo znam. Izolirano pesem. Najprej moraš napisati prvi vers. In na to drugi vers, da bi napisal izolirano pesem. Pesem, parkirana na mistri, izoliran tovornjak. Ko so ti dnevi šteti, kaj potem šteje? Izolirana pesem. Kaj je bilo prej? Letalo? Letalo iz papirja? Izolirana pesem. Kaj je oblak? Pilotska kabina. Izolirana pesem. Med 30. aprilom in 1. majem. Izolirana pesem. Isaac Newton, ki sedi pod svojo jablano. Izolirano jabolko. In čarovnik. Kaj poreče zajčku?
izolirano pesem. Na svetu je kopica ljudi in tu izolirana pesem. Kaj poje? Kdo poje? Izolirana pesem. Et voilà, tu as la possibilité de rendre ce livre, cette performance, cette soirée très unique en écrivant ton propre poème isolé. Et on est avec Masha. Merci beaucoup, Nina. Et avant que tu partes, attends, Nina, avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Tu te rappelles, il y a un an, c'était autour du 8 février, et on a présenté cette anthologie au public français. Et juste un mois après, le plus précisément, c'était le 4 mars, on a commencé à présenter l'anthologie au public slovène. C'est, notre plan, c'était de, voilà, de montrer l'esprit qui s'est créé à Tinque aussi, et finalement, enfin, en Slovénie. Mais une semaine après, bon, on sait tous ce qui s'est passé, je crois que, voilà, notre marathon de présentation de la poésie, de l'amitié franco-slovène, continue. Et je croise les doigts, bientôt. Alors maintenant, si tu me permets, j'aimerais bien présenter quelques poèmes du recueil Les Éblouissants, voilà, les poèmes qui ont été publiés dans la collection Petit Va de Alban Joly. Stara je 8 let. Potem 13, 27, 33 in 44. Potem ostala leta. Gube na njenem obrazu pripovedujejo o njenih odločitvah, njenih začudenjih. V določeni svetlobi je videti kot majhna egipčanska princesa. Njen spomin je krepak in njeni nasmehi se ne izrabijo. Ko se usede, je vedno malce nagnjena. Pričela je pisati nenavadno zgodbo, ki se dogaja v deželi, kjer kovčki ne obstajajo. Ne torbe, nič, kamor bi lahko pospravili svoje stvari. Ljudje te dežele ne morejo dolgo potovati. Primikajo se tako, da nase navlečejo več oblačil eno čez drugo. Leta so minila, odkar je pričela pisati to zgodbo. Ni pravega začetka, niti konca. Opisuje svoje like brez prtljage. Na nekaj straneh jih ohranja pri življenju. To je vse. Ko pride iz šole, pleše po dnevni sobi in v kuhinji okoli čajne mizice, pleše na glasbo španskih kitar zvinilke. Tudi brez glasbe pleše. Pleše čisto sam ali s predmeti, s pohištvom. Pleše kormorana, pleše konja. To jutro pleše besedo platana, ki jo je potegnil iz škatle besed za ples. Preštel je vse tlakovce v ulici ob vrtni uti. Popisal je vse odkrušene, manjkajoče, obrabljene.
Potem je vsakemu od 19.617 lakovcev dal svoje ime. Ko hodi po tej ulici, jih ne gleda več z istimi očmi. Prekrstil je tudi prebivalce okoliških vasi. Za skupnost iz Lesc. Bleščeči. Ljudem, ki ga sprašujejo, zakaj počne vse to, odgovarja, da skromno prispeva k ponovnemu oplajanju sveta. Voilà quelques poèmes de Albin Gelé. Et maintenant, nous allons vous présenter, et bien sûr, Nina et Xenia, vous pouvez aussi rajouter quelque chose, si j'oublie, si jamais j'oublie de dire des choses importantes. Donc, le 8 février, c'est le jour férié, mais c'est surtout la journée de la culture slovène. Bien sûr, c'est qui Francesc Prešeren, ou en français François Joyeux. C'est notre poète national, notre poète national et on peut dire l'un des plus importants poètes slovènes, le grand romantique. Et on peut dire aussi que voilà, tout le monde connaît Monsieur Prešeren, soit à l'école, mais surtout ce qui rend cette fête, ce jour férié très important, c'est vraiment la notion de la culture. Normalement, on va dire, dans des temps normaux, les gens, les familles, tout le monde va soit au théâtre, dans les galeries, les musées, et il y a des concerts, mais cette fois-ci, on célèbre cette fête d'une autre manière. Ce qu'il faut garder, c'est la culture, la langue, les langues et surtout l'amitié. Ce qu'il dit d'ailleurs, M. Prešeren, aussi dans un de ses poèmes, qui est devenu aussi la septième strophe, est devenu l'hymne national slovène, voilà, à l'amitié et à la fraternité. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? T'as bien dit. Non, mais pour dans le sens symbolique, tu as tout dit. Et je peux juste ajouter quelque chose un peu plus personnel, peut-être, que parce que c'est une journée qui est très importante pour moi, et ce n'est pas tout à fait logique de venir chaque année en France quand on aurait pu fêter cette journée à la maison avec ses amis, avec les gens qui créent la culture et l'art slovène, en slovène, pour les slovènes. Et aujourd'hui, je peux sentir quelque chose un peu bizarre parce que là, je suis coincée à ma maison, loin de la France. Tout va bien parce que à l'aide des applications avec toute la technologie disponible, on peut transmettre l'amour de la langue slovène, même si les régions, les municipalités sont devenues de petites cases dans lesquelles on nous a fermés, en fait. Alors, je me sens très libre. Grâce à la poésie. Voilà. Voilà. Et avant que qu'on continue, j'aimerais juste rajouter ce que tu viens de dire, Nina. C'est, depuis des années, on célèbre notre fête nationale slovène en France. Ce qui est très, aussi personnellement, très important aussi pour moi, parce que
Voilà, la poésie, les langues, les amitiés ne connaissent pas de frontières. Et c'est toujours un très, très grand plaisir, soit d'animer les ateliers pour enfants, les ateliers de poésie, de participer aux lectures de poésie, en tant que, de participer à organiser des événements et surtout de rencontrer des gens et de partager de bons moments. Voilà. En slovène, en français ou simplement quelque part au milieu, entre deux langues ou même plusieurs langues, c'est ça la culture. Ce sont les cultures et on continue, on continue. Très bientôt, on espère en présentiel. Et maintenant, voilà, je crois que on a une deuxième partie du programme. Voilà, donc la promenade franco-slovène continue. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a des gens qui nous regardent et je suis sûre que vous allez connaître cette belle personne-là. Salut! Merci! C'est génial ça! J'adore! C'est vrai que le marché, on le fréquente depuis des années et ça nous manque vraiment énormément cette année. Et on espère que l'année prochaine, on se revoit et on continue à faire ce qu'on a fait chaque année, tous nos échanges. C'est vraiment un grand plaisir d'y être chaque année. Alors, on a encore un ami avec nous ce soir. Hé, hey, Pierre Soletti! Comment ça va? Ça va très C'est bien, bien de te voir. merci. Vous avez l'air en forme? Toujours, toujours. Ouais. C'était bien ces lectures. Ouais, t'as bien Il y aimé? avait quand même, voilà, la musique qui manquait et les musiciens. Oui, ça s'est fait exprès, c'est pour donner envie de refaire un marché l'année prochaine et de revenir. Oui. Vous avez bien fait. On a envie Ouais. de revenir. Bah, merci, c'était super ces lectures. Je suis rentré dedans. C'était chouette, j'ai voyagé. Mais tu as déjà entendu la langue slovène plusieurs fois. Et Ah une oui, ça fait fois, tu longtemps. dis que cette langue a une belle mélodie, mais très coupée pour toi. Très coupé, tu veux dire par Ça? Internet? Non, c'est une langue. Aujourd'hui, Non, non. oui. Non, C'est par. plutôt. Par. C'est au contraire, c'est plutôt une langue fluide, moi je trouve. Ah, d'accord. Avec les R comme ça qui sont roulés, c'est le français est plus haché encore. Voilà. Mais je ne pourrais pas imiter la langue slovène si c'est ce que tu attendais. Je ne vais pas pouvoir imiter, non. Prosim. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu as préparé pour ce soir, Pierre? Alors, ben, avec Claire Terral, on a préparé une lecture d'un auteur dont tu pourrais peut-être nous dire deux mots, un auteur slovène qui nous a Oui, malheureusement bien quittés il y a peu, je crois. oui, et dans un autre sens, c'est clair qu'il nous a quittés aussi, mais attention, pas pour de vrai, c'est juste clair qu'il a quitté le studio. Mais cet auteur que je vais vous montrer maintenant, il nous a quitté de la vie, enfin, il a quitté la vie terrestre tout ensemble, alors c'est autre chose. Alors, je vais vous montrer une petite image.
Voilà, c'est Marco Sosic, qui est un écrivain très aimé, un metteur en scène qui a travaillé avec plein de gens en Slovénie. Il est à Trieste, Trst, qui est en fait à côté, qui se trouve en Italie. Mais c'est une ville assez spéciale parce que là, c'est vraiment la culture slovène, italienne qui vivent ensemble. Une longue histoire de... qui a été assez compliquée. Alors, je ne vais pas te dire juste que c'était quelqu'un de très aimable qui a vraiment fait vivre la langue slovène dans tous les sens de mots. Et malheureusement, il est décédé il y a quelques jours. Et c'était un grand choc pour toute la communauté littéraire slovène. Et je trouve très beau qu'on va entendre aujourd'hui un extrait de son roman Tito, mi amor mio. Il a écrit cinq mots pour qu'on fait vivre ce mot, sa littérature. Mais attends, je crois que c'est Claire Delbar qui veut nous communiquer un peu. Claire Terra, elle est revenue. Là, c'est Claire Delbar qui dit... Ah, qui met un petit mot. C'est pas moi qui l'a dit. Un petit poème en slovène. Ah oui, si, j'en connais un très court. Donc il faut avoir les oreilles très rapides. C'est parti, je vais vous le dire. Tichina. Voilà. C'est un poème très court. Et je vous laisse trouver la traduction tout seul, toute seule. Avec l'accent français. Bon, évidemment, ça donne autre chose. Quoi. Donc voilà. Claire Terral n'est pas revenue. Non, Claire Terral n'est pas revenue. Est-ce que tu peux lire l'extrait de quoi tout seul? Ça va? Oui, alors du coup, on vous avait concocté une petite lecture. Je vais la faire tout seul. Alors ça va être moins, comment dire, peut-être moins intense, je ne sais pas. Donc, Claire, si tu nous entends, il fait soleil. Nous roulons à travers le karst en direction de la mer. Et je pense que je serai demain avec Alina. Je la vois qui m'attend devant la maison au bord du ruisseau, au pied de la colline couverte de sapins dont nous cueillerons les pointes vertes tendres sur les branches, puis nous les écraserons dans nos mains, et moi, j'aspirerai leur odeur. Respire profondément, dit-elle tout bas, près de mon visage, qui se penche vers sa pomme, pleine de pointes de sapin, alors que nous sommes assis dans la prairie, au bord de la Nedige, et moi, je sens son cœur qui bat dans sa pomme, dans ses yeux, dans son corps, si vite, tellement vite, comme s'il allait éclater et se disperser très loin, jusqu'à l'autre rive de la Nedija, où poussent des tournesols dans les champs. Le bus s'engage dans la descente qui, entre les pins aux larges branches et aux longues aiguilles, mène à la mer, qui apparaît soudain devant mes yeux, immense et étincelante, comme le ciel au-dessus d'elle. Je vais trouver un coquillage sur la plage, me dis-je. Je le trouverai et je l'offrirai à Alina, qui n'a encore jamais vu la mer, parce qu'elle ne doit jamais partir de chez elle et que la mer est trop loin pour son cœur. Comment est la mer, me demande-t-elle, tout bas, dans la prairie, au bord de la Nedija? Grande et profonde, je lui réponds tout bas. Et bleue,
Et bleu, oui, comme le ciel. Parfois encore plus. Quand il y a de la bora. Il y a des vagues quand il y a de la bora? Oui, grandes. Et comment est encore la mer? Immense. Immense. On n'en voit pas la fin. Immense, profonde et bleue? Oui. Tu me montreras la mer? Oui. Quand? Quand tu viendras chez moi. Je réponds alors, dans la prairie, au bord de la Nedija, et je pense que j'ai calmé son cœur. La nuit tombe, je tiens dans ma main un coquillage argenté pour Alina. Et avec Yuri, nous allons changer de maillot de bain dans le petit bois qui domine la plage, de l'autre côté de la route sur laquelle passent des camions. Nous grimpons dans le sentier jusqu'à d'épais fourrés où personne ne peut nous voir. Par tout petits interstices dans le lierre verdoyant, couvert de ronces et d'absinthe, nous voyons le château d'Edwino, où un prince s'est installé il y a peu et où j'amènerai Alina pour qu'elle voie la mer du haut des remparts. Je lui montrerai au pied des remparts les rochers contre lesquels cognent les vagues quand souffle la bora, pour éclater en un millier de gouttes qui éclaboussent le visage, les lèvres, que je lèche ensuite, comme l'autre jour, quand il y avait de la bora et que papa m'a amené à Duino avec sa Vespa. C'est là-bas que j'amènerai Alina, quand elle viendra, pour que les gouttes des vagues jaillissent en l'air et se posent sur ses lèvres, dis-je à Yuri. Quel nomadas! Tu as déjà embrassé, toi? Demande Yuri, et tout nu, il se tourne vers moi, après que nous ayons enlevé notre maillot de bain pour en mettre un sec. Non, je réponds. Et tout nu, je regarde Yuri, tout nu devant moi. Et toi? Je demande ensuite. Oula, plein de fois! Dit-il, et il essuie avec une serviette son zizi qui est plus grand que le mien parce que Yuri a 3 ans de plus que moi. Qui as-tu embrassé? Je demande en essuyant moi aussi mon petit zizi. Ta voisine, dit-il en souriant. Angelina? Je demande et j'ouvre de grands yeux vers lui. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, Angelina? Oui, Angelina, dit-il, en continuant à s'essuyer son zizi qui devient de plus en plus grand. Quand? Je demande, en essuyant de plus en plus vite mon zizi qui devient de plus en plus petit. Dans la campagne, avec la langue, dit-il, et il me tire la langue. J'arrête un instant d'essuyer mon petit zizi. Et je pense à Angelina au milieu de la campagne en train d'embrasser Yuri avec la langue. Je les vois dans mes pensées tous les deux. Elle n'a qu'à t'apprendre à toi aussi, dit Yuri. Et il me regarde, le fixer avec de grands yeux tout ronds. Je me tais. Regarde comme il est grand et dur, dit-il ensuite en regardant son zizi. Je me tais. Regarde, tu vois? Regarde, regarde, dit-il tout bas, et j'ai l'impression qu'il manque d'air. Je me tais et je regarde son grand zizi qu'il prend dans son poing et qu'il frotte d'avant en arrière. C'est toujours la même chose quand il pense à Angelina. Pardon, c'est toujours la même chose quand je pense à Angelina. Je ne peux pas m'en empêcher, dit-il, en tirant sur son zizi et en respirant fort et vite, comme s'il courait,
avant de se retourner vers le lierre et de l'asperger de petites gouttes blanches. Ensuite, j'ai l'impression qu'il ne respire plus. Soudain, je me dis qu'il va mourir. Et ensuite, il respire, enfin. Il enfile ses culottes courtes, qu'il a prises avec lui, et me regarde, lui habillé, moi nu, et qui me tient au milieu du sentier, les yeux dans le vide. Viens. Dans 2 ou 3 ans, le tien sera aussi comme ça, tu verras, dit-il en courant dans le sentier qui descend vers la mer. Je me change et j'enfile les culottes courtes que j'ai prises avec moi et je m'approche de la petite fente dans le lierre, couvert de ronces. Je regarde le château de Duino. Derrière lui, le ciel est bleu foncé et plus bas, il est rouge. À cause des restes de soleil. Et le château est tout sombre, comme si la nuit tombait déjà sur lui. Avec Alina, nous sommes toujours là, sur les remparts, pour qu'elle puisse voir la mer, qui est profonde, immense et bleue, puis sur le mol, dans la baie, où les vagues qui se brisent contre les rochers nous éclaboussent. C'est fini. Waouh! C'était super, Pierre. Et tu as en fait plein d'admirateurs, tu sais, parce qu'on a reçu un autre commentaire. Regarde. Ah. Ah. Merci beaucoup, Meta. Voilà, tout le monde est avec nous. Et alors. Ah, mais c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Je trouve vraiment ce passage très rigolo. C'est plaisant à lire en plus. Enfin là, j'ai lu comme j'ai pu, hein. Mais ouais, c'est beau, ça donne envie de connaître davantage. Il était un petit peu espiègle, cet auteur. Tu l'as connu, toi, Nina? Non, personnellement, non. Mais je sais qu'il était grand ami de plusieurs éditeurs, traducteurs, écrivains, poètes. Que je connais, je vois chaque jour des petits commentaires, des petites lettres qu'on écrit à son hommage. Voilà. En tout cas, je vois qu'il est venu à Reims. Il me semble que c'était la cathédrale de Reims, non, la photo? Ou je me trompe? Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. C'était une lecture organisée en collaboration de l'antenne slovène du Centre de création pour l'enfance et les éditions franco-slovènes, qui c'est une maison d'édition qui est gérée par Zdenko Štimac. On l'a déjà mentionné quand on a commencé ce petit programme. C'est, qu'est-ce qu'on va dire sur Zdenko? C'est difficile, mais c'est une personne amoureuse de la langue slovène-française, une des meilleures traductrices de la littérature slovène vers le français, est quelqu'un qui fait promouvoir notre culture en France. J'ai beaucoup d'estimation pour son travail, voilà. Très bien. Je sais qu'elle prépare encore les traductions de Svetlana Makarovic. Tu la connais peut-être? Non. Ok, super. Ah, non, tu parlais de l'auteur ou? De l'auteur, oui. Ouais, non. Okay. Alors, Svetlana Makarovic est une poète slovène. C'est une femme parmi les hommes, on va dire, parce que la France et la Slovénie ne sont pas très différents en cet aspect. C'est normalement les poètes masculins qu'on
la littérature, enfin l'histoire littéraire rassemble et présente les points. Et c'est vraiment Svetlana Makarovitch et son travail du rythme, de l'image, qui a influencé les Slovènes fortement. C'est un grand moment qu'on va avoir ces poèmes en français. Et maintenant, j'invite Masha qui va nous lire quelques poèmes et on va voir aussi les textes en slovène. Après, Pierre, tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses. Ok. Et voilà, Zdenka aussi. Oh, Zdenka. Merci, super. Ok, Masha, à toi. Merci. Ah, ou peut-être pas, voilà, les admirateurs de Pierre. Ok. Une seconde. Oui, je peux dire que le poème que je vais lire, voilà, porte le titre « Dit quelque chose de beau ». Désormais, tu ne souffres plus, mon chéri. Désormais, tu te reposes, n'est-ce pas ? Désormais, tu n'as plus mal. Mais le monde est froid, vide et désert. Depuis que tu n'es plus parmi nous. Maintenant, repose-toi, cœur meurtri. Maintenant, reposez-vous, mains usées. Les yeux fatigués se sont fermés. Et seule ma petite lumière luit encore. Vois, la terre a repris ceux qui étaient à elle, mais ceux qui n'est pas à elle, elle ne nous le prendra pas. Ce qui est infiniment précieux et éternel, et jamais au grand jamais ne mourra. Dans les prairie de la nuit, se prélasse la tristesse. Elle me fixe en silence de ses énormes yeux. Avec les dernières étincelles, je rassemble un sourire. Puis, je m'étends près d'elle et la regarde avec ironie. Je sais que bientôt le jour viendra, beau, fier et limpide. Et qu'il l'engloutira. Svetlana. Alors, voilà. J'espère que notre petite promenade franco-slovène vous a plu. J'espère que, voilà, on s'est bien amusé, on s'est bien plongé dans les mots, dans les tintements, dans les mots doux français et slovènes. Et encore une fois, un très, très grand merci. Et maintenant, Nina, si tu peux, j'aimerais bien voir tous les visages, voilà, de toutes les personnes qui ont participé, bien sûr. Un grand merci à nos spectateurs. C'est vraiment, ça me tient à cœur. Je vais presque commencer à pleurer. Mais vraiment, cette tradition qu'on a pu créer, voilà, maintenant, vraiment, on parle de la tradition, de notre tradition, de l'antenne slovène, du marché de la poésie jeunesse, des amitiés. Vraiment, ce sont les amitiés. Et je me répète peut-être un peu, mais j'y crois. J'ai un grand espoir que voilà, on s'arrête pas là, que
voilà, nous allons continuer à créer de nouveaux kaléidoscopes, voilà, de mots français et slovènes. Donc, de ma part, vraiment un grand merci au Centre de création pour l'enfance de Tinque, tout le personnel, tout, vraiment, vraiment, je ne peux pas vous nommer parce que vous êtes très nombreux, mais un grand merci. Vous me manquez, vous me manquez. Et bien sûr, merci à Mateja, Pierre, Claire, Zdenka, Jiva, Nina, Ksenia. Et on va dire à très bientôt, n'est-ce pas? À très vite. Et encore ouais. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Je crois qu'on m'avait dit belle fête de la culture. Belle fête de la culture, c'est une très belle fête. Il faudrait qu'il y ait la même ici en France. Enfin, grâce à Mateja Bizarpetti, on l'a fait aussi un peu ici. Ça, c'est bien quand même. Une chance. Hein. Ouais. À très voilà. Bientôt. À bientôt. À très bientôt. De vous voir. Oh, on ne veut pas qu'on parte. Non. On ne veut... Moi, je peux rester. Voilà, j'ai des exemplaires de kaléidoscope si quelqu'un veut voilà, les avoir. Mais voilà, on va dire. Voilà, on va se réunir, on va se rencontrer. Voilà, au milieu de la poésie. Allez, thank you.